Bonjour à tous et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un système de téléphonie sur IP. Beaucoup de gens se demandent comment effectuer des appels au sein d'une société en passant par un réseau informatique ou soit un réseau IP. Eh bien, la réponse est aujourd'hui, nous allons vous présenter un système de téléphonie sur IP. C'est quoi alors la téléphonie sur IP? C'est en fait tout type de système de téléphonie mobile mais qui passe par un réseau IP. C'est ce qu'on appelle téléphonie sur IP ou en abrégé TOIP. Alors, pour pouvoir réaliser un tel système, nous allons vous présenter les différents matériels qui vont permettre à ce que ce système puisse être possible. Pour ce, nous vous présentons le premier équipement qui est un switch. Un switch, pour ceux qui s'y connaissent en réseau informatique, savent que le switch permet de relier un ou plusieurs terminaux qui sont connectés pour former un réseau local. Nous avons notre point d'accès ici pour permettre aux équipements sans fil de se connecter, entre autres des téléphones mobiles. Nous avons un adaptateur ici PoE qui permet à ce que ça puisse alimenter notre téléphone fixe qui est ici. Ce téléphone fixe, beaucoup de gens vont pouvoir reconnaître ce téléphone. Ce téléphone est alimenté grâce à cet adaptateur PoE. Et enfin, on doit disposer d'un serveur de voix sur IP ou bien un serveur SIP. Et du coup, nous vous présentons notre serveur VoIP qui est là installé. Ça joue le rôle d'un serveur. À côté, vous allez voir un téléphone softphone, un téléphone logiciel qui va nous permettre plus tard pour effectuer un test entre ces téléphones et notre téléphone fixe. Bienvenue à vous pour notre nouvelle étape. Très bien, nous voici maintenant arrivés à notre deuxième étape qui va consister à pouvoir effectuer des appels. Nous allons faire un test entre notre téléphone logiciel qui est installé ici et notre téléphone fixe qui est à côté. Nous vous rappelons que si votre réseau est étendu, si votre Wi-Fi peut couvrir toute votre parcelle ou soit toute votre entreprise, les appels peuvent être passés de manière conviviale. Maintenant, passons à notre test. Notre téléphone qui est ici a comme extension 1005, soit 1005. Et notre téléphone qui est de l'autre côté, notre logiciel, téléphone logiciel a comme extension 1604 ou encore 1004 et l'autre est 1005. Alors pour s'y faire, nous allons nous servir du panel qui est ici pour pouvoir composer notre premier numéro. Du coup, nous allons faire 1004 pour pouvoir appeler à l'autre. Et qu'est-ce que je fais? Je veux faire send. Quand je veux faire send, comme vous pouvez remarquer, le téléphone de l'autre côté est en train de sonner. Le nom qui est écrit est appelé hard phone. C'est le nom que nous avons donné à notre téléphone qui est ici. Et pour décrocher, je n'ai qu'à cliquer sur accepter. Et la communication est établie comme vous pouvez le remarquer. Tout comme de part d'autre, je peux pouvoir appeler notre téléphone fixe à partir de notre téléphone logiciel. Du coup, je vais composer son numéro et je lance. Comme vous pouvez voir de l'autre côté, le téléphone est en train de sonner. Merci à vous de nous avoir suivis. Voici notre premier tuto dans les ateliers que nous allons pouvoir commencer. Merci de votre attention. N'oubliez surtout pas de liker nos vidéos et de partager et surtout de ne pas oublier de cocher sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir et être au courant de nos prochaines vidéos. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.